Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la modernisation de la gestion opérationnelle des circulations des trains, aussi appelée MGOC. Cette modernisation consiste à détecter par anticipation les potentiels conflits de circulation et proposer des solutions élaborées pour résoudre ou éviter les perturbations. Bonjour. It rests on two pillars. One, a profound change in the job of traffic manager. And two, a system that improves coordination between the different actors in transport service. And all this is backed up by a computer program. Depuis quelques années, le réseau SNCF a dû faire face à l'augmentation du trafic et à l'ouverture de nouvelles lignes à grande vitesse, mais aussi gérer de nombreux travaux de modernisation pour remédier au vieillissement de certains composants utilisés depuis des décennies. To rise to these new challenges, SNCF Réseau has had to rethink its rail traffic management approach. Here's an example. Etienne is taking the 1258 train from Paris to Boulogne-sur-Mer. Enfin les vacances. Désolé, c'est juste un exemple pour le film. Ah bon? D'accord. Okay, where were we? It's 1258, the train leaves. From the departure station to the arrival station, the journey of this train will be overseen by traffic regulators and traffic managers, who are in constant touch with the train driver and the signal boxes, who keep the train on the right track. Et je serai en vacances pile à l'heure. Oui, mais bon, on a dit, c'est juste un exemple. Maintenant, reprenons du début, mais avec un petit imprévu. For example, a forgotten piece of luggage. Mon sac à dos. Allô, PC, je crois que j'ai un sac abandonné voie 10, je m'en occupe. This causes a 45-minute delay, and all the trains running on this line could be disrupted, causing further delays. Eh oui, en effet, il n'y a pas que mon Paris-Boulogne-sur-Mer qui emprunte ces voies. Plusieurs trains se partagent les mêmes axes. Et un retard peut provoquer un effet domino et perturber de très nombreux trains. To avoid this, the traffic regulator must very rapidly assess the impact of this delay on the entire traffic, reorganize the order of passage of the trains, and transmit all this information to the train driver and traffic managers. Parfois, c'est un véritable casse-tête aux conséquences considérables, d'autant que la circulation d'un même train peut être sous la responsabilité de plusieurs régulateurs en fonction de la distance qu'il parcourt. And so, with the snowball effect, a train leaving Marseille 5 minutes late could disrupt 15 trains in northern France 6 hours later. Fortunately, we can count on the experience of SNCF Réseau operators to solve such disruptions. Mais pour les aider, la MGOC s'avère précieuse. Elle permet de détecter les conflits de circulation et d'anticiper des répercussions auparavant imprévisibles. Donc ça, c'est la MGOC en gros, c'est ça? MGOC instantly proposes several possible scenarios to the traffic regulator. In partnership with the railway companies, they can make the correct decision to manage a problem in the best possible way, sometimes even before it has occurred. Vous l'avez compris, avec la MGOC, les agents SNCF Réseau vont pouvoir choisir les solutions les plus adaptées pour éviter les perturbations. And thus give passengers all the necessary information in real time to make their journey as pleasant as possible. Au revoir. Do